marqué de ce que j'ai. Ouais. Pourquoi la tricotine? Pourquoi acceptez-vous que ce sujet soit une préoccupation? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ça peut être juste un sujet de réflexion, mais pas de préoccupation. C'est important. Pourquoi le mot préoccupation? Les futurs patients qui vont venir à vous, ils vont vous parler de leurs préoccupations, pas de ce qui va bien, ce qui est normal, entre guillemets. C'est une préoccupation. Donc vous, c'est la même chose. Comprendre ce qui vous préoccupe et pourquoi c'est une préoccupation. Pourquoi ça devient une préoccupation? Pourquoi vous l'avez placé dans la case négative? S'il y a quelque chose qui est en case négative, vous devez la transmuter, la transformer. Tu n'as pas lu le livre L'éveil d'un secret alors? Je n'ai pas fini. Ah voilà. Que dedans il en parle, que le temps est une notion. Et que tant que tu te dis qu'il faut du temps, c'est que tu n'as pas atteint l'éveil. Et que en fait, s'il n'y a pas besoin de temps, c'est bon. Et c'est ce que il y a celui-là aussi qui suit. L'autre. Tu vois que tu vas voir en lisant celui-là, ça va te renforcer un truc. Dites-vous que dès que vous vous dites, il faut du temps.